Ouais, mon gars, c'est XV Placara, c'est Réel Mouvement, c'est Réel TV. Tu vois, là je parle à tous les gens qui sont artistes, ceux qui créent de l'art, ceux qui créent de la musique, ceux qui s'expriment par leurs mains, s'expriment parce qu'ils ressentent. Et la question c'est... Pourquoi tu es un artiste? Pourquoi tu crées? Pour être une star? Pour être célèbre? Pour avoir des likes? Pour avoir des j'aime? Non. Tu dois créer parce que tu as envie de t'exprimer. Parce que tu as quelque chose à dire. Parce que tu as quelque chose à partager. Tu vois? C'est ça le truc. Et là, je m'adresse aux artistes, je m'adresse pas à ceux qui ont envie d'être des stars. Ceux qui ont envie d'être des stars, c'est un autre système de pensée. J'ai rien à vous apprendre, j'ai rien à vous dire, j'ai pas de critique à faire. Parce que si je ferais des critiques, on va dire que je suis un rageux ou quoi que ce soit, c'est un autre truc. Moi, je parle à ceux qui ont un cœur d'artiste. Et encore plus, artistes de culture urbaine. D'art urbain. Et encore plus quand il s'agit de rap. Pourquoi tu crées? Tu vois? Et moi, ce que je veux, c'est en apportant mes réflexions, parce que, tu vois, on est beaucoup en train de penser, mais tout ce qu'on pense, tout ce qu'on sait, si on le garde pour soi, ça sert à rien. Alors, je partage ça sur Internet. Ceux qui cliqueront dessus, et qui retrouveront de valeur, ils prendront ceux qui ne trouveront intéressant, ils laisseront. Il faut que vous respectiez votre art. Il faut que vous respectiez votre art. Parce que l'art est plus important que l'artiste. Parce que l'art était là avant l'artiste, et il sera là après l'artiste. Parce qu'il y a des gens qui étaient là avant vous, il y a des gens qui seront là après vous. Des gens qui ont laissé l'art, qui vous ont présenté l'art d'une certaine façon. C'est pour ça que vous aussi, vous avez voulu être artiste. Alors dites-vous que il faut que ce que vous pratiquez, vous le rendiez aussi séduisant pour ceux qui viendront après. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Moi, par exemple, je prends mon exemple. Je suis tombé très jeune amoureux du rap, amoureux de la culture hip-hop. Sincèrement. Pour moi, ça a été une explosion dans mon esprit de voir tout ça. De voir la danse, de voir les valeurs, de voir ce que ça représentait. De voir quelque chose qui me représentait, moi. Une chose que, bah, en allant à l'école ou n'importe où, c'est pas eux qui allaient m'apprendre, c'est moi qui allais leur apprendre. Parce que ça me ressemblait à moi. Parce que c'était une plus-value. Et c'est pour ça que, par exemple, quand je fais de la musique, j'ai cet état d'esprit. Ça me fait peut-être penser pour un artiste d'un ancien temps. Mais c'est ce que je suis et c'est ce qui me rend heureux, c'est ce qui me fait kiffer. Et c'est pour ça que, pour moi, je dois rendre ce mouvement, ce que je donnais, aussi beau, aussi fort que moi, ce qui m'a fait tomber amoureux. Ce qui m'a fait tomber amoureux de ça, du rap et du hip-hop, c'est pas la musicalité forcément. Bien sûr que j'aimais la musicalité. Bien sûr que j'aimais la manière dont les gens jouaient avec les mots. Bien sûr que j'aimais quand je voyais des gens qui étaient comme moi, ici de la marge, on va dire de la marge, qui étaient à contre-courant, devenir des stars à nos yeux, à nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est des stars aux yeux du monde entier. Mais avant, c'était des stars à nos yeux, à nous. Pour les autres, c'était de la merde. C'était des déchets. Ça m'a inspiré. Ça m'a inspiré parce qu'il y avait une vision intellectuelle, une vision politique. C'était un truc qui te forçait à te poser des questions sur qui tu es, qui tu veux devenir, comment tu te situes dans le monde dans lequel tu es. C'était pas seulement ce que je reproche, on va dire aujourd'hui, que c'est la société qui a changé. Donc, toi, on est tous les produits de notre époque. Ben, moi, je vais me faire une réputation, moi, j'ai ceci à dire, j'ai de l'argent à dépenser, c'est tout. J'écoute toujours de ce rap-là, j'en écoute, je kiffe. Tu vois, il y a des bons morceaux.
Mais moi, ce qui m'a fait kiffer, c'est ce qui fait moi aujourd'hui ce qui je suis, tu vois. Aussi bien dans les bons et les mauvais côtés, parce que tout ça, c'est le côté hip-hop. Et c'est pour ça que je te dis que... C'est pour ça que je crée, pour ça que je fais de la musique. Pour ça que demain, quand j'arrêterai de faire la musique, je pense que je créerai différemment. Pour ça qu'aujourd'hui, je me mets à faire cette vidéo. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de transmettre mon amour, c'est ma vision du hip-hop, de la culture et de l'art. Comme je vous l'ai dit, c'est plus moi le hip-hop. Et ce que je veux dire, je veux parler aux artistes, aux jeunes artistes. À ceux qui sont des artistes, je ne dis pas à ceux qui veulent devenir des rappeurs, des mecs de YouTube. C'est intellectuel. Pensez la première des choses à nourrir l'art avant que leur art puisse un jour vous nourrir financièrement. Parce que intellectuellement, il vous nourrira. C'est pour ça que vous verrez que beaucoup de gens qui ont fait du rap, passé un moment, ils vont avoir des discours. Ils vont s'engager politiquement, ils vont se mettre à écrire des livres. Pourquoi ? Parce que la culture. Parce que ce côté artiste leur a fait découvrir la culture, s'intéresser à des choses, partager des choses, influencer le monde. Dans l'un des derniers morceaux que j'ai fait avec Vénor, Catastrophe, shit, une chose qui dit « Je suis la prophétie de Pâques ». Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la prophétie de Pâques. La prophétie de Tupac. La prophétie de Tupac est que c'est pas lui qui changera le monde. Mais il assure que celui qui changera le monde aurait été influencé par sa musique. Aurait été influencé par ses dires. Ça peut être vous. Parce qu'on est tous influencés par cette culture pop. Donc il y a une influence de Tupac. Et pour tous ceux qui savent très bien qui est Tupac, c'était plus que de la musique. C'était ce côté Black Panther, ce côté conscience, ce côté... je rappe pour moi, pour les gens, je représente quelque chose qui est plus grand que moi. Et vous pouvez être la prophétie de Tupac. Alors, n'oubliez pas, pourquoi vous créez ? Pourquoi vous créez ? Pourquoi vous écrivez ? Pourquoi vous faites du rap ? Parce que si vous voulez juste être célèbre, faites des vines, faites des trucs, mettez-vous à poil. Vous le serez, vous aurez des likes. Et les gens vous demanderont des selfies. Mais si vous aimez le hip-hop ou votre art, quel qu'il soit, comme moi j'aime mon art, sachez qu'il sera toujours plus grand que vous. Et tant qu'il est plus grand que vous, c'est que c'est magnifique. L'art, il sera là, il était là avant nous, il sera là après nous. Moi, le hip-hop était là avant moi, il sera là après moi, j'espère. Quitte à partir dans les fondements. Les gens ont commencé, ils étaient une dizaine dans des terrains vagues. Et ils ont tellement cru en leur truc qu'aujourd'hui, c'est partout. Et si à un moment... Et là, c'est comme la mode, ça fait des cycles. Et si on doit en revenir à ça, on en reviendra à ça avec les vrais. Donc, à tous ceux qui ont des cœurs d'artistes. Comme on dit, vous savez, c'est réel. Être vrai, parler vrai, agir vrai. Et rester vrai. Pourquoi vous créez ? Pourquoi vous êtes des artistes ? Un jour, quelqu'un m'a dit, le plus connu des peintres qui a gagné de l'argent de son vivant, c'est Picasso. Parce que beaucoup, les Van Gogh, tout ça et tout, bon, il y a tellement pas de gens art, tu vois, qui se coupaient les oreilles. Si Picasso, on lui disait demain tes tableaux, ils arrêtent de vendre, est-ce qu'il aurait arrêté de peindre ? Non.